Si vous avez branché la vidéo ou soutif la caille, bonjour, bonsoir tout le monde. Département de l'Europe disponible pour assister vidéo. Ça lui fait 10h25. C'est troisième sortie nous pousser maintenant. Jeudi, c'est mercredi 13 avril 2022. Nous comptons avec vous. Principal point nous cap dominer actualité, mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti, bagayo tête chargée. La police, week-end passé pour commencer ce maintenant, et bien fait un pile arrestation diverses. Bandits mourir, diverses tout tombés en bas. Femme kou garçon ap mari dans pays d'Haïti dans question zak illégal qu'a fait et puis bon côté mulatio la police t'a fouqué yo mulatant qui gen deux yeux pété dans question cas de Jacques sous timoun 12 13 14 ans et la police te metté la patte sous monsieur ça pour qu'on a parlé là li nan men et bien force de l'audio dossier assassinat président Jovenel Moïse ancien colonel Imler Rebu fait gros déclaration déshabillé États-Unis dans dossier ça qui au même et bien t'a fin touye Jovenel Moïse après quoi yo lage nous dans bataille yo lage Ariel Henry demain balan parce que yo gen tout contrôle ça monsieur a fait et c'est eux même qui te placé Ariel Henry tout après yo fin assassiné président Jovenel Moïse mesdames et messieurs et puis gen pays les États-Unis tout qui t'a fait désordre sous et bien sol pays d'Haïti là côté yo t'a remarqué divers bateaux sous la mer qui ont même appan volant et gaz naturel nous et colonel Imler Rebu fait gros déclaration sur ça et selon ça les citoyens avancés plus loin et bien États-Unis semblent finir avec nous en cachette sans que nous pas même rendre nos comptes tout ça nous gagne j'ai fait une pote yo aller après quoi yo la nous sans rien mesdames et messieurs nous allons inviter au détail bonne journée tout le monde bonne écoute restez connectés n'a toute équipe là bonjour tout fanatique radio mon cher monsieur dit nous tout bas là, bien clair, oui. Léon. Bon, la première fois, moi, monsieur sincère en Haïti. Première fois, monsieur sincère en Haïti. Il n'est pas venu ici pour régler le problème haïtien. Ouais. Il est venu ici pour défendre l'intérêt américain. Et il fait du job correctement. Premièrement, le président Jovenel Moïse mourit, il est très clair que les Américains sont impliqués dans la mort. Ouais. Ils sont tellement impliqués que ils ont entré, ils ont pris en charge toute bagaille et ils ont réglé l'affaire en cachette aux États-Unis. Bien. Même si l'escope qui était dans ta là, il a accompagné madame de venir chercher. Toi, dis-moi! Gros bagaille qui passait lors de l'émission sur ma voile, où tu as parlé de la grande œuvre. Exactement. Même quand on fin parler, bon pile propagande qui fait le faire des faux journalistes, a dit menti par aucun mouvement de la grandeur. Comme vous-même, vous savez qui qu'on marche, fouiller, chercher, qu'on est. Très bien. Le bureau des mines, pour demander de 14 août, les faux tremblements de terre fin fait craser la grandeur. Combien de fois de secours jusqu'à aujourd'hui? Et nous t'es toujours insisté sur les colonels Imler Rebu. Quand on le pourrait, il est au tremblement de terre qu'on finit par passer, et puis pour ne pas que 5, 6, 7 mois après avoir des secours chaque semaine. Le problème n'est que provoqué en Ukraine, non? Solution, c'est ici. Et là, on a été voué délégation à Caracas là. Nous voulons délégation à aller, mais on a une solution. Très bien. C'est quelques hélicoptères pour ta gagner, pour ta absorber les zones, ça, pour ta connaître exactement ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas affirmé, même poser des questions. Oui, mais ce qui est sûr, colonel Imler Rebu, nous-mêmes ici, ce n'est pas une information de débat, c'est un témoignage. Pêcheurs qui étaient sous la mer, que nous avons relais ici à l'émission matin débat à travers correspondants que nous-mêmes nous gagnons dans la grandesse. Eh bien, je dis à moi-même, je ne suis pas étonné si vous n'avez pas directement alimenté de géants pétroliers dans la mer pour protéger gaz naturel avec pétrole aux États-Unis. Je ne vais pas faire affirmation. Eh bien. Moi, je ne suis pas étonné. Très bien. Quand il y a un plan ambassadeur, le fin tuer le président, le font jeu de passe-passe, Madame Lali, qui représente les Nations Unies. Mais son citoyen américain qui travaille avec stratégique l'armée américaine à travers le monde. Très bien. Nous ne pouvons peut-être pas construire, madame, non. C'est pour madame Consa qui l'a. L'ambassadeur de lui-même, il n'est pas venu pour le travail pour Haïtien. Premier, ça vous fait, vous font tour de passe-passe et vous mettez Dr. Ariel Henry sous pouvoir. Très bien. Brusque montant de Dr. Ariel Henry lui-même, son pouvoir monocéphale. Monocéphale. Il n'y a pas de question président. Le président en cachette, le premier ministre tout bon. L'ambassadeur a dit, les pas qu'on est qui bon prévoit dans la constitution haïtienne que mon président Pédard capable de président d'Haïti. Cela veut tout dire. Ça vous prévoit. Pour docteur sorti de nulle part capable président cachette pour le premier ministre en même temps. Vous fin prend, vous placez, vous dites pour ne pas entendre avec aucun haïtien. Parce que pas bien président, c'est lui-même qui pourrait être là pour président le premier ministre tout bon. Là, au fini, nous marchons avec tout l'autre haïtien, nous disons que faut qu'il y ait l'entente avec Ariel Henry. Ariel Henry dit lui-même qu'il ne va pas entendre à personne, si on a besoin de job pour avoir une côté la petite patate. Nous finissons régler ça, on y a la caillou. Mais pour le cap sûr que ça nous fait bien marcher, le fait CNN avec New York Times, tout grand quotidien de droite américaine, fait une propagande sur Dr. Ariel Henry, peut-être que tu peux venir me le cacher, pour dire que monsieur participait à l'assassinat président. Et puis, où je me donne pour ça parle encore? Non, pas en s'accompagner, pas en s'accompagner. Je prends le dossier ça, je m'en déboule par le docteur avec lui. Et puis, on quitte le docteur à marcher. Depuis, monsieur, t'as envie de faire un petit geste sur Soukil. On compte deux boules bail, ça, c'est bail qui sont si bloqués. Ça, c'est bon, bilan, bilan, bilan. Depuis, on m'a passé contre la donne. Où il n'y a pas besoin là? Parce que si le docteur a l'innocence qui contre à Saoudia, il y a pas les contre là. Eh bien. Et l'autre monde, c'est Haïtien Pointanio, parce que déjà qu'on a créé des conditions partantes n'a pas fait. Eh bien. Donc, l'ambassadeur a fait travail très bien. Le futur président, dans complot avec Haïtien qui est américain, américain qui est américain, c'est après le mois d'après découvrir que le monde qui a pu gérer la sécurité président, gagne une soit américaine, gagne une soit équatorienne. Mais, il n'y a pas de Haïti, non? Il n'y a pas de Haïti, eh bien. Tout le monde qui vous prend des décisions, il est placé. Il y a des télécommandes, mais il y a des Haïtiens pour entendre. Maintenant, effectivement, avant l'ambassadeur à régler, il n'y a pas même besoin d'être ici, d'accord? Qu'on y a, c'est le bagage où je dis d'ailleurs, qui j'en apporte des plus intelligents, pour nous mettre notre propre jouet par là, pour nous bailler sous cabrit, même je ne te fais pour nous résoudre le problème de l'esclavage là. Maintenant, c'est qui comportement nous t'as dû gagner, qui comportement que les acteurs politiques en Haïti t'as dû gagner, je dirais, et qui le sont, ils t'as dû tirer tout de, justement, donc, de intervention, donc, M. Kenneth Mertens avant de quitter le pays. Moi-même, nous pas même besoin de garder avec Kenneth Mertens, sans sous cabrit pour nous bailler. Sans le sous cabrit. Il aime le sous-cabrit, nous continuons par le sous-cabrit. Il aime participer dans nos réunions. Côté aujourd'hui, en fait, consensus, montagne à peine, non? Gré à adhérer la donne. Et hier, il y a un pile lancé à 11 septembre. Qui ouvre un espace de dialogue avec Montana Bengré. Demain, après une séance de travail, moi je suis que avant ce 27 fini, après une position unitaire, pour nous ramener d'autres groupes, pour qu'on large consensus national et qu'on y a pour mettre le docteur Ariel Henry face à Destin. Très bien. qui a fait, si c'est une charge pour mettre dehors, ça de force est important, mais docteur Ariel Henry fait pour comprendre que abri et couvert capable de prendre, c'est Haïtien qui a balayé. On est aussi que nous ne pouvons pas faire, c'est lui-même pour nous balancer au cabri pour nous faire, et là nous faire pour nous dire qui ça va dire. Maintenant, c'est qui force que l'a gagné? Pardon? Qui force que l'a gagné? Démarche ça, qui force que l'a gagné? Qui force que l'a gagné? Il y a peut-être des faiblesses de carrière, oui. Si ça arrive, on a fait constat, et puis qu'on est obligé de descendre sous terre. Très bien. Donc là, nous allons entrer dans la transition, pas vrai? Mais nous, nous transition déjà depuis 9 mois. Oui, d'accord, d'accord. Sauf que nous acceptons une transition sans règle. C'est américain avec nous qui arrivent seulement à Gabriel, ça ne veut pas dire nous côté avec nous, et nous montrer nous côté avec nous. C'est bien. Ils rentrent, ils prennent gisement pétrole en cachette, c'est ça que nous besoin de régler, qu'on a dit nous dégager, nous qu'on connaît. Il reste que effort de consensus largement fait sur le plan national. Et suivant l'information, il y a d'autres groupes importants qui nous rejoignent un seul consensus là. Parmi lesquels il y a Kadoua. Il est ça. Docteur qui était peut-être, mais dit peut-être, il vient dit peut-être, SDP avec lui, a une situation pour décider si la face à toute nation, si c'est ça qui nous qui va mieux la pleine et nous. Si nous-mêmes nous prenons des dispositions pour nous retirer la population de nos alliés. Très bien. Merci un peu, colonel Imler Rebu. Merci un peu. C'est un plaisir, bon travail. Merci un peu. Bon, voilà, donc ça c'était donc le colonel Imler Rebu, la nucléaire et nucléaire. Et la classe politique haïtienne, et vraiment, tu as dû tirer le son. Donc de gens et diplomate Kenneth Mertens. Il décrit situation, madame, monsieur. J'ai parlé à quelqu'un qui dit, Mloko, j'ai souvent souri tes émissions, matin débat, et m'accroché à l'analyse parce que l'analyse est en pile profondeur. Je dis, il y a des fois, moi, que vous mettez, en fait, sur la solette, et le gouvernement américain. Il y a des fois moins où clouer au pilori, donc le gouvernement américain ou critiquer. Mais le gouvernement est que. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé pour les Américains. En fait, il est également américain, mais c'est un Haïtien. Il dit, mais ce qu'on est que pour les États-Unis d'Amérique, Haïti ne compte même pas. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Pour les États-Unis d'Amérique, de saisir tant de bagages ça. Pour les États-Unis d'Amérique, Haïti ne compte même pas. Haïti n'est pas important. Haïti n'est pas sur la liste des priorités. Haïti n'est pas important pour eux, même, parce que les États-Unis tellement gagnent dossier la gérer sous la terre. Dossier Haïti a pas dans la liste américaine du tout. Ils disent, ça bagage, semaine ça. Et il commence à regarder parce que ça va passer dans le pays là, anti-gens, inquiété, madame, monsieur. Pour ça, qui vient pour avec question grandesse là? Comment dit Jean, colonel Imler Rebu, tu dit tout à l'heure, qu'on la boit, toi, ici. Ah oui. Qu'on la boit, toi. Malheureusement, la boit, toi, ça sont laboratoires blancs. OK? Mais qui est-ce qui a travaillé dans le laboratoire? C'est des Haïtiens, des petits Haïtiens, petits têtes nègres. Tête green, que blabla on $100 américain, on $50 américain, c'est pas même goût l'argent, non? Et puis pour monter tête haïtien, ça compte d'autres haïtiens, madame, monsieur. Information n'est pas passée dans ma tête débat sur question grandesse là. C'est une vérité, madame, monsieur. C'est pas information que madame devine avec nos papiers, me dit information, j'aime bien que me dit là, non? Moi, dit information, non. C'est pendant un fond direct. Ok, prenez la fond direct. Et puis, pécheur dans Jérémie fait témoignage de ça. Yo, ouais. Vu et entendu. Dans la mer, c'est une des témoignages. Et puis l'information est passée là. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le commentaire que je fais par la suite. C'est vous-même. Mais l'information, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des mouvements suspects qui ont fait dans la mer à travers le correspondant qui est sur place. Et puis qui s'est passé tout de suite après, vous n'avez pas qu'un petit journaliste qui a dit ah, parce que blanc, il y a un laboratoire, les journalistes parlent dans le pays, les journalistes respectés, ok, dans le pays à parler, et puis tout un laboratoire pour dire que ça ou bien c'est machin de micro, ou bien c'est menti à bail. Non, discréditer. Mais comme nous connaissons, la difficile pour nous discréditer dans le pays, ah oui, parce que la population, ça, le peuple, ça, elle connaît qu'il faut nous garder dans toute dimension qu'elle fait là. Il faut nous prendre pour ça, madame, monsieur. Donc, un chargé d'affaires qui a une responsabilité dans le pays, pour te mettre tout le monde ensemble sur son table, il n'est pas arrivé à faire pour être capable de retirer Haïti dans la crise, il n'est pas arrivé à faire. Ok? Et puis, en laissant le pays dans le cadre de la fin de sa mission, eh bien, il dit une vérité qui est claire. C'est comme la douce, c'est comme s'il n'est pas capable. L'ambassadeur du Golimène, il va venir là. L'ambassadeur, il ne va même pas venir là pour ne pas faire un pays, nous, non? Il ne va pas venir là pour ne pas faire un pays, nous. Même si c'est pas un travail.